Les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera un tuto sourcils. Je vous explique. Là, je vais parler durant ma petite transformation de sourcils. Ça sera pas un tuto make-up. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vous tourne une vidéo make-up ou pas? Mais on verra durant la vidéo combien de temps ça va me prendre et tout. Parce qu'après, je vais sortir. Donc voilà, du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais mes sourcils. Parce que à chaque fois, vous faites que me demander comment tu fais tes sourcils, Anaïs, comment tu fais tes sourcils. Et à chaque fois, je vous dis. En fait, à chaque fois, je vous montre, mais j'ai l'impression. Voilà. Donc, je vais faire une vidéo. Sur YouTube, comme ça bougera pas. En même temps, je vais vous donner des conseils parce que des fois, je vois des sourcils. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer là. On peut pas accepter. On n'y peut pas accepter. Il y a des sourcils, ils vont de là. Ils sont de là jusqu'à là. Faut arrêter d'inventer. Donc, du coup, les filles, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils, les produits que j'utilise, plein de petits conseils. Comme ça, vous avez des sourcils à votre forme. Et voilà. Il faut savoir que les sourcils, c'est la base du visage. Donc, ça veut dire que si vous faites mal vos sourcils, c'est gâté. C'est gâté. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à liker, à commenter, surtout à me suivre sur ma story privée. Anaïs, de toute façon, je vais vous mettre mes réseaux en bas. Ajoutez-moi, je vous rajoute dans ma story privée et ça va bien se passer. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Il faut savoir que moi j'utilise un savon. Le savon c'est important pour les sourcils. Bon, avant j'utilisais pas de savon, j'utilisais rien et pourtant mes sourcils étaient toujours en flic. Mais en fait, tout dépend de vous, comment vous faites vos sourcils, pardon. Et il faut aussi savoir que ça veut pas dire que si vous avez pas de sourcils que vous n'allez pas pouvoir faire votre forme de sourcils. Même ceux qui ont des sourcils transparents, vous inquiétez pas les filles, cette vidéo c'est pour vous. Restez avec moi parce que je vous le dis, moi j'avais pas de sourcils à l'époque. En fait, j'avais des sourcils que là. Et arrivé à la queue là, il n'y avait plus rien. Et regardez maintenant, genre, si vous regardez bien, il y a la suite qui suit. Genre, j'ai une forme. Et en fait, je vous explique déjà, avant de commencer les sourcils, épilez vos sourcils. Parce que moi, je viens d'épiler. Même si je les avais déjà épilés, mais je les ai re-épilés encore une fois. Parce qu'il y avait des repousses pour avoir vraiment des sourcils propres. Donc, déjà pour commencer, je vais asphyxier mon savon d'eau. Je vais venir frotter mon petit, je sais pas si vous voyez, genre ma petite brosse à sourcils. Là, si je regarde là, c'est qu'il y a mon miroir. Les filles, la base des bases, je vais vous montrer à fur et à mesure les produits que j'utilise parce que c'est très très important pour avoir un beau sourcil. Donc déjà là, pour commencer, je vais venir brosser le sourcil vers le haut. Je vais tout relever, en fait. Le début, les filles, vous faites ça. Et l'arcade, vous faites ça. Et la fin, vous faites ça. C'est comme ça que vous allez savoir. Après, pour celles que vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à prendre un petit bout de crayon, même un crayon à sourcils, ou faites un point, genre pour vous repérer, pour vraiment. Après, moi, j'ai pas besoin parce que voilà, j'ai l'habitude. Sourcils, ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Et franchement, je suis trop fière du résultat d'aujourd'hui. Genre, c'est une dinguerie comme aujourd'hui. Genre, je fais trop bien mes sourcils. Genre, j'ai jamais vu ça. C'est genre, je vous mettrai même des petites photos. Genre. En fait, à chaque fois, je change la forme. Des fois, je fais un peu plus gros. Mais quand je fais gros, j'abuse pas du bail. Parce qu'il y a des meufs, quand je vois sur les réseaux, elles font gros, mais genre, c'est abusé. Faut pas abuser. Parce que je vous dis, le sourcil, si c'est mal fait, croyez-moi que c'est mort. Genre, c'est la forme de votre visage, en fait. Si c'est mal fait, c'est mort. Ensuite, les filles, à l'époque, genre, je faisais directement la forme de mon sourcil. Ensuite, je faisais le nettoyage du sourcil. Maintenant, non. D'abord, je nettoie. Je fais une forme avec l'anti-cerne. Et comme d'habitude, le meilleur anti-cerne du monde entier. Voilà, je veux rien savoir. Too Faced. Voilà, Too Faced. Love to love, to love, ya. On s'aime jusqu'au bout. Voilà, cet anti-cerne, je veux rien savoir. Il a gagné. Voilà, bravo. On peut qu'accepter. Donc là, les filles, je vais venir nettoyer avec l'anti-cerne de Too Faced. Et je vous précise. Vous n'avez pas besoin de Too Faced. Hein. Vous pouvez prendre un anti-cerne qui fait le taf. Comme L'Oréal, comme NYX, tout ça. Ça fait entièrement le taf. Mais moi, je préfère prendre Too Faced. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Too Faced, tellement il. En fait, déjà, vous savez très bien que Too Faced, ça comble les cernes. On ne voit plus tes cernes quand tu utilises Too Faced. Genre, pour le nettoyage, pour les sourcils, je trouve que ça nettoie encore plus ton sourcil. Donc, c'est pour ça que je prends Too Faced.
je viens faire pareil de l'autre côté, les filles. Toujours dans la précision, parce que je vous le dis, essayez même pas de dépasser, de faire des trucs. Faites vraiment la forme de votre sourcil. Ensuite, moi, d'habitude, on vous conseille de prendre un anti-cerne plus foncé pour en haut, pour que ça passe à votre tête. Mais moi, je préfère prendre le même anti-cerne et nettoyer en haut. Après, c'est moi, je préfère, c'est mes préférences à moi. Après, je sais comment faire pour arranger le bête, mais voilà. Donc, si vous regardez bien, là, je suis en train de faire la forme. Et en plus, si vous regardez bien aussi, j'ai même pas besoin de mettre de crayon. Clairement, j'ai même pas besoin de mettre de crayon parce que à force d'épiler mes sourcils et tout, maintenant ça y est, il y a une forme. Après, des fois, mon pinceau il se truc. N'hésitez surtout pas à retaper votre doigt, que votre pinceau soit bien plat. Il faut que votre pinceau soit plat parce que pour être vraiment dans la précision. On a stampé un petit peu. Les filles, il y a intérêt que cette vidéo fasse des vues. Parce que quand je vois à chaque fois, vous me demandez, Anaïs, comment tu fais tes sourcils? Comment tu fais tes sourcils? Et que je vous montre. Bah après, je vous montre sur Snapchat. En soi, c'est pas une vidéo complète. Bah, j'ai envie de vous dire là, il y a intérêt que cette vidéo fasse des vues. Parce que là, ça dépend pas. Ça dépend pas. Voilà, ensuite les filles, quand je fais ça, je reviens encore avec mon anti-cerne pour repasser. On sait jamais s'il y a des petites imperfections. Après, moi, c'est parce que je suis perfectionniste, c'est aussi pour ça. Mais genre, j'aime pas quand c'est mal fait. Si je vois un petit détail qui va pas, j'hésite vraiment pas à revenir. Seules les meufs perfectionnistes saura de quoi je parle. Les petits détails là, voilà, on peut pas. En plus, après, moi, j'ai l'œil, donc ça veut dire que je vois. Chaque détail compte, chaque millimètre compte pour avoir un sourcil en 9 ligues. J'hésite pas à venir descendre avec mon pinceau en bas. Voilà. Je mets bien l'anti-cerne en bas pour que ça fasse vraiment propre. Voilà, donc déjà là vous regardez bien, on a déjà une forme. Les filles, je vais prendre un petit crayon, vraiment c'est un crayon, vous pouvez le trouver sur AliExpress hein. Vous pouvez le trouver sur AliExpress, sur les magasins afro, là où on voit les perruques et tout, il y en a de partout. Bref, je prends mon crayon. Il y en a, ils utilisent la pommade, il y en a, ils utilisent le crayon. Moi je préfère mille fois le crayon parce que moi je sais que quand je le taille c'est bien fin et je peux bien faire les poils. Je vais venir. Là, je vais carrément apporter mon miroir parce que ça, on va pas rigoler avec ça. Je vais venir prendre mon crayon et je vais venir refaire quelques poils. Des fois, j'appuie beaucoup, des fois non. Mais là, aujourd'hui, je sais pas si j'appuie beaucoup, on verra. Par contre, je vous explique, le devant, vous touchez pas. Moi, vu que devant, j'ai beaucoup de sourcils, ça sert à rien de toucher le devant, les filles, s'il vous plaît. Si vous avez des sourcils, ne touchez pas le devant. Et je viens faire les petits poils de la fin. Parce que comme je disais, moi, c'est vers la fin qu'il n'y a pas trop de poils. Fille, n'oubliez surtout pas de prendre un crayon qui est à votre teinte, s'il vous plaît. C'est très important, ça aussi. Sinon, ça va faire chauffer. Ensuite. Voilà. Et les filles, surtout, n'hésitez pas à revenir encore une fois avec votre anti-cerne. Si vous trouvez que... Après, vous allez vous dire, mais pourquoi tu remets? Mais en vrai, moi, je suis perfectionniste. Donc, comme je vous ai dit, là, je vois que j'ai un petit peu dépassé avec le crayon. Donc, je vais vraiment venir nettoyer, que ça fasse propre.
Écoutez, moi, je suis quelqu'un, je suis perfectionniste et je vous jure, je ne regrette pas parce que quand je vois après le résultat final, on est pécé à accepter. Je fais pareil pour en haut. Voilà. Là aussi. Et voilà. Ensuite, je reviens juste brosser un petit peu le poil de mon sourcil. Des fois, je remets un petit peu de savon. Mais bon, vu que là, il y a un peu de savon déjà. Voilà. Les filles, mes sourcils sont parfaits. Vous voyez? Voilà, on a terminé le tuto. Mes sourcils sont faits. Regardez, je me rapproche bien pour que vous puissiez voir. Et devant, j'ai même pas touché. J'ai juste touché là. En fait, tout se passe dans le nettoyage du sourcil et dans la façon dont vous allez utiliser votre sourcil. Votre crayon, pardon. Je vais juste remettre un petit peu là parce que je trouve que c'est clair. Voilà. Et puis, voilà. Mais en gros, j'avais pas besoin de grand-chose. Et mes sourcils, c'est en 2 minutes. En fait, la façon dont maintenant je les fais, c'est en 2-2. En 2-2. Après, c'est vrai que moi, je suis vraiment dans la précision. Je prends vraiment le temps de que ça soit propre. Après, des fois, je prends même pas le temps. Je les fais en 2-2. Mais vraiment, c'est en 2-2. Mais vraiment, cette technique-là, je trouve que c'est en 2-2. Et en plus, je trouve que c'est, ça fait plus propre et ça fait grave, grave beau. Genre, ça fait un effet du, à la mode, là, comme les américaines. Genre, l'effet vrai sourcil. Mais juste, moi, derrière, je mets un peu plus... et devant je touche pas. Voilà les filles, le tuto pour les sourcils. J'espère que ça va vous aider, mais vraiment, parce que tous les jours je vois des sourcils, des fois j'ai envie de crier et voilà, vraiment j'ai envie de crier, genre on peut pas accepter. Et là vous voyez, vous avez des sourcils en filique, il vous manque juste à vous make-upper et après c'est carré dans l'axe. Je vous fais des gros bisous les filles. J'espère que cette vidéo va faire des vues parce que à chaque fois vous me demandez tuto pour les sourcils. Aujourd'hui, je vous ai montré et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez partager à vos potes et tout. Et ça va bien se passer dans les yeux. Je vous fais des gros bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye.